Charles Ibouarn vient de produire son premier album solo. Après avoir débuté sa carrière dans le milieu du hip-hop et du rap, ce jeune compositeur a choisi comme support rythmique le reggae. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça plaît. Tout de suite, on commence en musique live acoustique sur la scène du réservoir avec Charlie Brown. Yeah. Original Charlie Brown. En vivant et en direct, on est là, on est au rendez-vous. Eh, hey, spécial acoustique version. Et c'est toujours la positive vibration. Yo, massif. Yeah. Yeah. On vient faire un tour dans mon Zion. Tout là-haut. Là-haut, on vient faire un tour dans mon Zion. Tout là-haut, tout là-haut, yeah. On a mélangé un peu les styles. C'est vrai que j'ai été très influencé. Je suis toujours influencé par tout ce qui est hip-hop. J'ai démarré la scène, les expériences scéniques en tout cas, par la danse et le breakdance. Et puis j'ai évolué ensuite vers l'univers reggae et étant très marqué par le rap français, notamment des fins des années 90, on retrouve pas mal de cette influence-là aussi dans mes morceaux qui sont toujours à mi-chemin entre le hip-hop et le reggae. Quoi. J'essaie de mélanger les deux. Hey ya, oh, viens faire un tour dans mon Zion. Dur de ma tour, j'observe comme un lion. Entends-tu l'appel positif au maximum pour les demoiselles tranquilles et les bonhommes. 3h du mat, les voisins en redemandent. Positive vibration te livre à la demande. Trois kiffeurs de son, c'est la rythmique qui commande. Loin des Babylones et des pièges. Love is all, don't you hear my call. C'est le côté reggae, musique avec des textes conscients qui vous a attiré vers cet univers-là. J'ai trouvé un univers qui était, en tout cas dans le message, il n'était pas si éloigné que ça du hip-hop, avec en plus toute la musicalité dans le sens du jeu live et de la créativité qui était encore plus poussée que ce que j'avais connu à l'époque dans le rap français. Et donc j'ai accroché immédiatement. Quoi. On vient faire un tour dans mon Zion. Tout là-haut. Tout là-haut. Yeah. The way is wisdom. To John Jaja Kingdom. Love is all, don't you hear the Rastafari call. No matter where you're from, you're always welcome. Ce jeune métis guadeloupéen a fait ses premières armes dans l'univers du pop et du rap, puis il a choisi l'option reggae pour ce premier album. J'avoue que je suis agréablement surpris par l'accueil qui m'est réservé par les Antilles en général, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe. J'ai appris à marcher ici, j'ai dit mes premiers mots ici, quoi. Donc c'était important pour moi de venir présenter ça. Et donc j'ai qu'une hâte, c'est venir mettre le feu sur scène, quoi, et puis partager cette vibe-là.